Nous sommes ici en Haute-Savoie, sur la plateforme de gestion des appels. Dès 1996, le colonel Laurent, directeur départemental, le docteur Perfus, médecin-chef du SAMU, décide de mutualiser les demandes de secours et ajoute également la gestion du téléalarme pour nos aînés. Progressivement, plusieurs acteurs rejoindront cette plateforme de gestion des appels. Les ambulanciers privés, les médecins libéraux et aussi le 115 pour l'hébergement d'urgence. En 2011, une réorganisation de l'espace permet aussi d'aller plus loin dans l'idée de mutualiser aussi l'outil informatique. Et depuis 2011, nous avons un outil d'aide à la décision partagé, quelle que soit l'entité, SDIS ou SAMU, une arborescence permet d'engager immédiatement les secours. Un exemple, la gestion de la crise Covid-19. Cette habitude de travail partagé, d'échange au quotidien, nous a permis d'être réactifs rapidement avec la mise en œuvre pour le compte du SAMU par le SDIS d'une salle dédiée à la gestion du 15. Aucun appel en Haute-Savoie n'a été perdu lors de cette gestion de crise.